Oh, you never
Notre frère, ma
c'est le ministre Pierre. Quand je regarde ici, je vois 12 postes d'enseignants. Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé. Je pense que dans la salle, il y a ses élèves. En termes de planification, pour l'enseignant qui a une licence, qui est en droit, qui est en science, le lendemain, il est en islam. Et il faut qu'on garde. Angle mort. Et en termes de gain, il n'y a pas match. C'est le gain. Si ce gain peut être évalué en termes chapelle ou en termes matériels. Dans le temps, l'enseignant gagne 1000 francs par mois, 2000 francs par mois, 3000. Je pense que le plafond de l'enseignant était à 50 000. Et dans certains pays, surtout en Afrique, on ne peut plus être enseignant. Parce qu'on sera exceptionnellement beau. Et la condition de l'enseignant actuellement, même au Cameroun, est dérisoire. Alors que l'enseignant, plus fort que la nation. L'enseignant qui véhicule la civilisation. Mais le métier est ingrat. Plus la prestation des hommes. Mais dans nos scènes de culture, dans les récits de certains poètes, l'enseignant est toujours comme l'histoire. Parce que s'il part se reposer, son salaire, c'est qu'il laisse un homme. Et un homme qui ne sera jamais lié. La tradition actuelle ne veut plus qu'on cite les enseignants, on cite les riches, on peut voir les riches. Mais dans d'autres temps, avant les indépendants, l'enseignant avait du pouvoir, on le citait. Quand d'autres enseignants ont pris son nom, ont pris la glace, ont pris la glace, on le voit. Donc je pense que si dans la salle, sauf si pour les frères et les sœurs, que Jean-Pierre a connu dans son chemin de foi, mais ceux qui ont enseigné, qui sont dans la salle, ne le voient encore. Dans ces deux jours, la transmission des connaissances et des valeurs à l'humanité. Ce témoignage, pour moi, est plus merveilleux que d'autres témoignages. Parce que j'estime que le sacrifice qu'il a consenti dans l'enseignement des civilisations, c'est le même sacrifice qu'il a consenti dans l'Église. En cette Église de son État. Et que son travail même est qualifié sur la base de ce que je vois dans le texte. Beaucoup de ça connaît mieux. De son dans le Seigneur. En retenant le thème que je vous ai donné au départ, rien ne va suivre. Vous voyez, vous arrivez. Et vous vivez, vous ne vivez pas l'état que l'Église a écrit ici. Quand on est vivant, on doit être vivant et heureux. C'est ce que veut dire le premier texte. Quand on est vivant, et le vivant, on doit être vivant dans le sens et heureux. Et quand on est mort, tous ceux qui n'ont pas cru en Dieu, on est une fois pour toutes. Même pour nous qui avons pu, même étant morts, nous sommes heureux de que ceux qui nous montrent qui descendent sans foi ni loi. Dans notre évolution, nous atteignons un niveau
Oh, quand Dieu nous rappelle, nous avons la certitude d'un retour physique et ponctuel. Nous avons la certitude que nous reviendrons de la même façon que nous avons quitté nos confrères, nos citoyens, dans la foi et même par la chair. On est toujours dans la foi. Mais moi, je travaille dans la chair parce que j'aimerais aussi être en compagnie de mes frères. Pour le même mal, pour le village, et pour l'être autre. Et quand on est enlevé, comme notre frère est enlevé du milieu de nous, nous devons revenir de la même façon. Heureux à 50 jours. Ce jour de salut, ce jour de la rencontre, où on verra face à face ce glorieux Seigneur dans un royaume glorieux, rempli d'Esprit Saint, ayant un corps immortel et vivant pour toute éternité. Que Dieu lui-même bénisse et sanctifie sa parole lui et exhorte. Amen. Éternel, premier de Dieu, consolateur, c'est toi qui viens une fois de plus d'édifier ton peuple. Par ce message fort édifiant, que tu viens toi-même de nous distiller. Seigneur, c'est toi qui nous as fait et qui nous as fait à ton image. Tu nous connais. Accablé par les soucis, attristé par certains événements, nous sommes incapables de nous réjouir. Pourtant, nous avons une apparence des vivants. Parce que nous croyons aussi en toi, nous avons une ferme espérance en la résurrection. Nous sommes donc consolés. Nous sommes bénéficiaires des béatitudes, accomplies, heureux. Les affligés d'âme seront consolés. Permets que, à l'instar de celui que nous prenons, nous aussi nous réjouissions lorsque nous serons touchés le corps humain. Donnons la joie de vivre et que notre passage dans ce monde soit béni. Édifie-nous toi-même, édifie le messager de cet instant et donne-nous toujours de nous ressourcer, de nous inspirer, de nous instruire à travers les saintes écritures. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. C'est
consacrer notre offrande au Seigneur. Éternel, toi qui es la source intarissable de tous nos biens, voici ce reste que nous te confions afin que tu bénisses toi-même ce que nous avons reçu de toi et que nous te donnons en retour. Purifie-les, sanctifie ses offrandes et bénis tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Nous tirerons vers la fin de la première partie de notre soirée. Après le cantique et la bénédiction finale, les groupes d'animation retenus ici présents vont nous entretenir jusqu'au petit matin. Une fois de plus, nous vous disons merci. D'abord, le mot de la famille. Frères et sœurs, dans le Seigneur, bonsoir. Vous avez compris que je suis devenu le représentant de la famille. Nous formons une même famille. Je voudrais tout simplement prendre la parole au nom de toute la famille à Kong pour vous dire sincèrement merci pour votre présence massive et très significative à nos côtés depuis que Dieu a rappelé à lui son serviteur, celui-là qui était notre père, notre époux. Vous avez prié lorsqu'il était malade, vous avez manifesté votre générosité, et ce soir encore, vous venez de témoigner par votre présence d'un amour inqualifiable. La famille à Kono veut tout simplement dire merci aux uns et aux autres, à l'église, au collège pastoral, à tous les groupes d'animation et aux frères et sœurs compatissants. La suite du programme prévoit demain à partir de 8h. Nous aurons ici la levée de corps et immédiatement le cortège va se diriger pour le village vers Sapéma. Et là encore, nous aurons la dernière veillée jusqu'à samedi. Et très tôt, avant 9h, les cérémonies traditionnelles vont commencer. Et s'il plaît à Dieu, autour de 14h, nous aurons remis la terre dans la terre. Tout à l'heure, un verre d'eau vous sera servi pendant que les groupes d'animation vont se relayer. Une fois de plus, mes bien-aimés, au nom de la famille Akono, nous vous disons merci. Maintenant, deuxième intervention, c'est le témoignage de l'Église par la bouche d'un ancien de l'Église de notre paroisse. Thank you.
bonsoir. Bonsoir. Il est très difficile, par des moments pareils, de prendre la parole. Mais je voudrais essayer, avec l'aide de Dieu, de retracer un peu la vie de l'ancienne église à Konohotu, Jean-Pierre. Monsieur Akonotu Jean-Pierre arrive à Biémassi quand c'était encore une cellule de prière dépendant de la paroisse Messa 2 en 1992. Et là, nous étions à la véranda d'une ancienne église de Messa, Monsieur Nanga Dieudonné. Monsieur Apollo est venu, étant déjà proposé ancien d'église. Nous avons cheminé ensemble. Nous avons bataillé lorsque le phénomène d'évangélisation est arrivé dans la ville de Yaoundé. Nous sommes descendus sur ce site quand c'était encore la brousse. Et en l'an 2000, l'ancien monsieur Apollon, Otu Jean-Pierre, a été consacré ancien de l'église à Biémassi Emmanuel, après toutes les batailles que je ne voudrais pas vous raconter maintenant. En ce qui est de sa personnalité, l'ancienne église à Konohotu Jean-Pierre était un homme très humble, un homme doux. C'est à peine si on pouvait percevoir vraiment ce qu'il ressentait. C'était un homme serviable et très dévoué. Il est l'un des techniciens principaux des infrastructures immobilières de cette paroisse. Cet immeuble qui est à côté de nous, le presbytère, c'est l'ancienne église Apollon-Otu Jean-Pierre qui l'a initié de la fondation jusqu'au premier, comment on appelle, là où, à la date, c'est lui qui est le qui a fait tout ce travail. L'ancienne église Apollon Otu Jean-Pierre était quelqu'un de très affable, prêt à donner des conseils. Bref, nous avons vécu avec lui en ce qui me concerne particulièrement. Je n'ai rien relevé de vraiment négatif sur l'ancienne église à Konohotu. Tout simplement qu'il était aussi un homme comme nous, mais qui essayait de transcender des situations qui arrivaient dans sa vie, dans la paroisse. C'était un serviteur du Seigneur. Nous allons vraiment longtemps rester sous le coup de l'angoisse, mais nous espérons que l'ancienne église à Konohotu Jean-Pierre, tel qu'il a servi son Dieu, il va se reposer maintenant et nous nous rappellerons de lui, non pas dans les regrets ni l'amertume, mais dans l'espérance de la promesse de la résurrection qui est faite à ceux qui ont cru au Seigneur. Je vous remercie. Amen.
candidat d'Angle Mort, le plus grand pasteur de brebis, à savoir notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ, vous sanctifie, vous bénit et vous protège maintenant, demain, jusqu'à l'avènement du grand jour où, face à face, nous serons dans la joie de cette résurrection pour la vie éternelle en chantant. Servir dans la société.
dans ton église. Et après ce moment que tu as fixé pour mettre un terme à sa vie, il t'a plu de te rappeler à toi, mais t'as récipient à la souffrance, à la douleur, à la maladie. Nous te disons merci, parce que tu nous le recommandes à toutes circonstances. Merci parce que tu nous as permis de le côtoyer, de le connaître, d'apprécier son comportement, pour tout ce qu'il a pu accomplir au milieu de nous. Seigneur, déverse tes grâces et tes divines bénédictions. Bénis-le ainsi que le départ de ton Fils de ce monde. Fais camper les anges, fais camper les attentes autour de ton serviteur. Fais briller ta divine lumière autour de lui et que son départ soit non un sujet de pleurs, mais un signe d'amour pour ce dit serviteur. Que les anges l'accompagnent jusque sur la poitrine de notre ancêtre Abraham et que lorsque la trompette va sonner, il ressuscite parmi les morts et soit compté parmi les rachetés. Pour nous qui sommes encore en vie, Seigneur, accorde-nous ton soutien, accorde-nous la consolation, accorde-nous ton inspiration et tous les moyens dont nous avons besoin pour prendre une part active aux obsèques de ton Fils, l'ancien de l'Église, apôtre Jean-Pierre. C'est ici que nous t'avons servi ensemble, et c'est ici que se trouvent couchés les restes de ton serviteur. Bénis toute cette soirée en faisant taire les voix qui ne t'honorent pas. Reprends le corps, l'âme et l'esprit de ton Fils et assure-nous de nous tambour tout au long de cette soirée. Demain, pendant le voyage, ne t'éloigne pas de nous. Sois notre guide, sois à bord de tous les véhicules. Bénis tous les temps forts de ces obsèques. Surtout, Seigneur, ce qui va suivre dès cet instant, que tout cela soit sous ton contrôle. Merci pour tout ce que tu continueras de faire pour nous, afin que seul ton nom soit glorifié. Bénis une fois de plus ton Fils, au nom du Père et du Fils, au nom du Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. L'animation qui sera faite par les groupes ou alors les chorales qui se présentent. Bien-aimés dans la foi, bonsoir. Nous sommes à 22h50. Nous donnons 30 minutes à la CF. C'est la fin et bien après nous reviendrons. Merci.